Puis le Premier ministre aborde d'abord un problème électoral. Il y aura en 1975 un nouveau découpage des circonscriptions. Ensuite, une question constitutionnelle, la limitation à 5 ans du mandat présidentiel proposée par M. Georges Pompidou dans son message à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Sur ce point, M. Mesmer rappelle que le texte pourrait être présenté aux deux assemblées réunies en Congrès et, à son avis, cette réforme devrait être menée à terme avant la fin de cette année. M. Pierre Mesmer parle ensuite des problèmes économiques et financiers. Nous sommes, dit-il, dans une conjoncture d'expansion, mais la menace principale et immédiate sur notre économie, c'est toujours l'inflation. Et le Premier ministre aborde ce qui va constituer l'essentiel de son discours, le développement du progrès social sous toutes ses formes. La France est aujourd'hui confrontée à un grand défi. Elle doit à la fois préserver la croissance économique et les initiatives individuelles et collectives qui en sont le ressort, et distribuer avec plus de justice une richesse accrue. Pour y parvenir, nous proposons un plan hardi de correction des inégalités sociales, une politique visant à améliorer la vie quotidienne des Français, et enfin, des réformes qui donneront aux citoyens plus de dignité et plus de responsabilité. Je commence par la correction des inégalités sociales. En même temps qu'elle devenait un pays prospère, la France a appris que l'accroissement du revenu national ne pouvait à lui seul faire disparaître la pauvreté. Seule une action volontaire peut y parvenir. Le 3 octobre 1972, j'avais exposé ici quelques grandes orientations pour réaliser plus de justice sociale. Le 7 janvier, à Provins, je les ai complétés par des exemples qui constituent autant d'objectifs pour la législature qui s'ouvre. Après les avoir traités avec ironie de catalogue électoral, ne voilà-t-il pas que les élections passées, nos adversaires nous somment de les appliquer aux besoins avec leur concours. Tout en les remerciant de l'hommage qu'ils nous rendent, je tiens à confirmer devant vous que ces orientations et ces engagements seront respectés. Mais j'entends aussi aller plus vite et plus loin dans trois secteurs essentiels.